Bienvenue sur Gallia TV pour Nouvelles Aventures, pour cette nouvelle saison. Avec moi, Anthony Schuster, auteur du deuxième but. Anthony, match difficile, hein, match engagé, c'est moi que puisse dire. Par contre, on s'en est sorti avec nos qualités intrinsèques. Ouais, bah, c'est les matchs de Coupe de France un peu, et puis surtout avec l'esprit corse où c'est beaucoup de combats et il faut gagner beaucoup de duels. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, on a réussi à marquer sur un coup de pied arrêté le premier but. On prend un but sur une mauvaise interprétation et derrière, on arrive à remarquer sur un coup de pied arrêté. Après, voilà, le match s'est terminé avec beaucoup de cartons jaunes et beaucoup de cartons rouges de notre côté. C'est dommage pour la suite du championnat, ça va compter. Mais le but de la Coupe de France, voilà, les matchs de Coupe de France, c'est le résultat et il n'y a rien d'autre. Et ça va nous faire du bien parce que ça reste une victoire. On sort d'une défaite et ça, c'est très bon pour le groupe. Merci, Anthony. De rien. Avec le coach du Gallia, Tchouki, un bon match de Coupe, assez engagé. Mais une victoire quand même. Comme tu as dit, de toute façon, les matchs de groupe, ils sont toujours engagés. C'est regrettable pour eux que pour nous qu'on prend quelques cartons, mais bon. Après, globalement, je pense qu'on a dominé. Oui, coach. je dirais que globalement, on a dominé et maîtrisé le débat. On avait 1-0, on avait match à main, on a quelques occasions pour faire le break. Et après, quand tu loupes les occasions comme ça, on n'est jamais à l'abri d'un ballon par-dessus, une faute défensive. Il y a une malentente, donc on prend le but. Et après, bon, on a toute la, je pense, force et la lucidité de revenir, de poser le jeu. Et après, bon, c'est le talent de Schuster sur un coup franc magistral. Donc, voilà, après dans l'ensemble de ce qu'on a vu, c'est tout à fait logique et mérité. Oui, bon, l'essentiel, c'est de passer, effectivement, ce genre de compétition. Dimanche prochain, donc, un match de championnat. Comment se comporte le groupe ? Bon, le Coupe de France, c'était un objectif, on va dire, mesuré, parce qu'on sait qu'on va aller au bout. Au moins que, on ne sait jamais, mais bon, je ne pense pas. Et après, on va revenir vraiment à notre quotidien. Le championnat, donc Canet-Rocheville est une très belle équipe, joueuse, qui a fait un nul et gagné. On les connaît, je connais le coach. Donc ça va être, je pense, un beau match parce qu'eux aussi, ils pratiquent un beau football. Donc on a une semaine à préparer au mieux et gagner ce match parce que, bon, avec les centres qu'il y a aujourd'hui, on va se répéter tout le temps. Chaque point, il va compter, chaque but, il va compter. Merci, coach. Bonne soirée.